Matthieu, chapitre 22 Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre Dites aux invités J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit. Mon ami, comment as tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs. Attachez lui les pieds et les mains, emmenez le et jetez le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent. Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis nous donc ce que tu en penses. Est il permis, ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Pourquoi me tendez vous un piège, hypocrite? Montrez moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda. De qui porte t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent ils. Alors il leur dit. Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit. Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier s'est marié et est mort, et, comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au septième. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les Pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez vous du Messie? De qui est il le fils? Ils lui répondirent. De David. Et Jésus leur dit. Comment donc David, animé par l'Esprit, peut il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut il être son fils? aucun ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.